À quelques heures de l'ouverture, c'est encore l'effervescence des derniers préparatifs avant que le public n'envahisse les 6 nouvelles salles de ce cinéma flambant neuf installé à Saint-André-de-Cubzac et attendu de longue date par les cinéphiles locaux venus voir les films proposés à l'affiche. Ça fait un moment, oui. Vous aurez soit des bornes, très longtemps. Soit un contrôle. Une dizaine d'années qu'on l'attend. On avait pensé venir ce soir. C'est vrai que d'aller à Sainte-Eulalie ou à Blaye, c'est un peu long. C'est ça, c'est aujourd'hui. Non, on l'a à proximité, c'est beaucoup mieux. Ça fait plaisir d'avoir un cinéma à proximité quand même. Et puis là, avec une copine, on s'est dit, tiens, puisqu'ils ouvrent aujourd'hui, on se fera un ciné ce soir. Pour voilà, marquer le coup. Et puis, on n'est pas très loin et ça nous évite de cavaler. Donc, ça vaut le coup quand même. On est heureux. Le propriétaire n'en est pas à sa première, mais ici, c'est un projet de 923 places, mûrement réfléchi, avec un concept à plusieurs dimensions. Le but du jeu, c'est de proposer tous les types de films dans des salles adaptées. On sait qu'il y a des spectateurs qui sont des spectateurs consommateurs, qui aiment manger du pop-corn, passer un bon moment devant un film à Marvel. Et aujourd'hui, ça tombe bien, par exemple, on a Captain Marvel dans la grande salle, en son Atmos, en 9.1. Et je peux vous garantir, pour avoir fait le test, que ça dépote. Et après, il y a des publics qui ont plus envie d'aller voir un Jusqu'à la Garde, Césarisé dernièrement, qui ont envie d'aller voir des films plus contemplatifs, avec des débats, des discussions, qui ne sont pas là pour consommer, qui sont là pour réfléchir, partager des échanges autour d'un film. Et donc, on a deux salles qui sont prévues pour ça, qui sont des capacités un peu plus réduites, mais où on permet, avec toujours des très belles capacités d'écran, entre 8 et 11 mètres, et qui permettent de partager sur un bel écran des émotions ensemble. Pour moi, c'est le maître mot du cinéma, c'est le partage. Dans quelques mois, une autre première sera inaugurée ici, un cinéma en plein air, ouvert tous les soirs.